tout le monde, c'est Squeezie, aujourd'hui on se... Bon, bah voilà, on va garder ça pour l'intro, hein, c'est très bien. Aujourd'hui on se retrouve sur Vanish, un jeu qui est sorti il y a un an en alpha et qui a subi de nombreuses mises à jour. Normalement c'est la version finale avec tout ce qu'il faut pour avoir peur, hein, tout ce qu'on aime pas. Oula, oula, ils font mal aux yeux. Là on voit mieux. Ah d'accord, on me jette au cachot comme ça, comme une vieille merde. Alors, AWSD to move, machin to look. Ouais, bah comme dans 80 000% des jeux. Est-ce qu'on a une lampe ou quoi que ce soit, parce que ça a l'air bien sombre là-bas. Et ben on va prendre ça, hein, on peut pas. Oh, comme c'est dommage. Ok, gauche ou droite? Droite, il y a une lumière. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Faut trouver une sortie, je suppose, hein, oui. Normalement, quand on t'enferme dans un cachot, t'as envie de sortir. Donc je pense qu'il faut qu'il trouve une sortie. Ok, j'ai peur de lumière, putain. Oh, une page! Ah, faut trouver des pages! Est-ce que tu as déjà regardé dans la water pump chambre? Et ben on va la trouver, la water... pump chambre, je sais très bien quand il y a un truc noir comme ça au bout, c'est qu'ils veut dire qu'il y a un monstre qui va apparaître, qui va sortir de nulle part, hein, qui va nous accrocher le bras ou la tête. Et cette première rencontre avec le monstre est toujours très délicate. Oh délicate, hein, ce que je disais justement. Oh le bas. Voilà, fallait aller à gauche. Allez, retournons au point de départ. Quit. Non, non. Objection. Interdiction. Oh, il y a des bruits. Ah, mais putain, mais arrêtez, bordel. Mais attends, mais non, mais oui, mais c'est ça la particularité du jeu, je l'ai lu en plus, c'est que le décor est généré aléatoirement, ce qui est génial pour te perdre, hein, bien comme il faut. N'explose pas, jeune lampe, reste avec moi, c'est le top. Oh, ok, c'était de la poussière. Bon, attends, Lucas, ça va quand même, hein. Ok, une page est apparue. Et bordel, d'où viennent ces gros trous dans les murs, Phil? Bah, je ne sais pas, hein, j'ai pas vu de trous dans les murs jusqu'à présent, j'ai juste vu des grilles. Mais... pardon, pardon, ok, des grilles que je ne vais plus toucher. Water pumps, bah voilà, water pumps, c'est par là. C'est ça les water pumps, alors on va dégager. J'ai pas envie d'aller aux water pumps, ok? Tu me dis pas où je dois aller, putain, je dois... mon gars. Putain, mais c'est dingue, dès que j'ai un truc, il y a un élément qui intervient, sans déconner. Est-ce qu'il est relié à mon micro? Je suis sûr qu'il attend en position fétale dans un coin et qu'il va nous... Oh, une feuille, mon gars, oui. Alors, oh là, attends, c'est pas la même écriture déjà. Je pense que j'ai vu quelque chose dans ces tunnels. Il ressemble à un rat géant ou un oiseau géant. Quelque chose d'étrange, Hank. Ok, Hank, merci du conseil, mais je m'en fous, je vais continuer vers là-bas. Tu ne m'induiras pas en erreur. Oh merde. Bon, un rat géant, un oiseau géant, il tient pas dans ce casque, hein. Non, c'est bon, y a rien du tout. Non, mais il veut m'induire en erreur, ça se trouve, j'ai trouvé le bon chemin tout de suite, donc le jeu se dit, oh non, oh non, il va gagner. Oh merde, c'est quoi ça? Oh merde! Ah, oh, il voulait juste m'aider. Ok, bah je m'en vais. Merci Hank. Ça se trouve, il va pas me... Oh putain. Oh, j'ai eu un truc dans le bidon sans déconner. Putain, c'était le screamer fesse quoi. J'ai vu des petites fesses au loin, j'ai eu peur. Qu'est-ce que c'est que ça quoi? Regardez comme on le voit bien. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas du tout un rat mon gars. Oh, il se déplace de manière très sensuelle, mais il est dégueulasse. Donc ça va pas du tout ensemble. Alors moi je me casse, hein. Salut. Ok, il va m'égorger, c'est sûr. Et j'ai pas vu de trou géant dans le mur là. Quelqu'un parlait de trou géant. J'aimerais bien moi m'enfuir par un putain de trou géant. Oh, un trou géant dans le mur. Il suffisait de demander. Et pourquoi il y a des trous géants dans le mur? Bah c'est un rat géant alors mon gars, il a creusé dans le mur tranquillement pour faire son petit terrier. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait qu'on est dans des intestins de baleine quoi. Ah, mais c'est pire qu'un labyrinthe. Mais comment tu veux gagner à ce jeu? Il faut tout miser sur la chance mon gars. Oh, par exemple là j'aurais perdu 1000 euros là si j'avais joué quelque chose. Et vous pensez que je peux passer délicatement dans son dos? Très discrètement comme ça. Oh non. Pourquoi il me fait ça? Qu'est-ce qu'il me fait faire mon gars? Il m'étouffe à distance? Oh non. Qu'est-ce qu'il fait? Oh putain, il est méga efficace quoi. Attends, ce mec a des années de karaté d'expérience, c'est sûr quoi. Et c'est pas branché à quelque chose. Alors pourquoi je prends pas ça pour éclairer à 22 mètres devant moi? Ce serait magnifique. Gauche, non. Droite cette fois, je ne me ferai pas avoir. Oh, il y a une page de l'autre côté. Et il y a qu'un seul rat géant ou il y a plusieurs rats géants, putain? Qu'est-ce que c'est? On le sait pas ça, hein. On nous le dit pas ça, hein. Faut que je fasse droite pour atteindre la page. La page qui ne sert à rien, à part me dire. Je crois que c'est un oiseau géant, hein, mais je suis pas sûr. Alors de toute manière, elle va certainement te casser le cou, mais j'espère que mon message t'aura aidé. Ah attends, il y avait un truc là, follow the peeps. Ça veut dire qu'il y a un mec qui est des... Ah bah voilà. Et tu as dit qu'on aurait jamais besoin de ces papiers. Ha. Attends, le mec fait une blague, il est entre un oiseau géant et un rat mort quoi. Attends, calme-toi. Je ne mourrai pas dans ces couloirs sombres. Je mourrai dans ces couloirs sombres. Qu'est-ce qu'il fait contre les murs putain? C'est ça qu'il fait avec nos corps, hein? Il fait un mélange de salive et de sang, ça donne un liquide blanc avec lequel il indique le chemin. Et arrête de faire... Mais il y a un truc... Pourquoi ça pète tout le temps à côté de moi? Il y a des milliers de mètres de ce putain de tuyau, faut qu'il pète au-dessus de moi, sérieux. Ah, il y a une flèche jaune vers là-bas. On va suivre la flèche jaune. Follow the pipes. Oh, je n'ai plus confiance en flèche. Oh, oh, oh. Oh, c'est ça mon gars, on y est. On y est. Je sais pas si... Oh, qu'est-ce que c'est que ça? S'il arrive, je lui mets un glow stick in the face. J'appuie sur F si je vois. Je vous jure, j'ai le doigt sur... Putain. Mais c'était F, pourquoi t'as pas appuyé sur F? On avait trouvé la salle des eaux dans laquelle il y avait des glow sticks. Oh, ah oui, ah oui, en plus avec la chaleur c'est un peu de bien, merci, merci. Ah je suis pas sûr, nana, j'ai la radio. Et tu as dit qu'on aurait jamais besoin de ces notes pattes. Ah, ah, tu m'as déjà fait la blague tout à l'heure, alors tu te casses. Salut. Salut. La chance inouïe. Oui. Alors,
C'est F. J'ai appuyé sur F. Ah, t'as un pouce mon gars. Tu mets pas des baffes, tu mets des coups de pouce toi. On ferme les yeux sur ce que je viens de dire, oui y'a pas de problème. On sent que l'effort des développeurs a été essentiellement sur la... Oh. What. J'espère au moins que monsieur Rageant aura peur en voyant notre pouce hein. Ça pourrait nous être utile. C'est bon, on est sauvé. Ah, pas tant que ça. Tout droit à gauche ou à droite? Waouh. Ah merde. Ah merde, mais du coup, mais quelle technique de merde. Du coup je sais plus d'où je viens. Et comme par hasard. Ah non c'est bon. Do not lean on the rail. C'est quoi ça? Je sais pas ce que c'est. Prends ça. J'ai un trousseau de clé. C'est pas la sortie? Non hein. Non. Non 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 non, je vais me tuer. Bon pire, si on trouve pas on reviendra ici. Ah. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est toi? C'est toi, t'es jalouse. T'es jalouse de ce truc fluorescent que j'ai dans la main. Eh ben tombe. Ceci est le pire truc que tu peux faire dans un jeu d'horreur putain. Revenir au point de départ sans déconner. Oh oui, note. Elles sont tellement utiles. Oh, il nous a fait. Oh, il voulait pas qu'on lise. Il aime pas la lecture, quoi. J'espère que tu pourras trouver mes clés. J'espère que tu verras ce message, Hank. J'ai ton message, j'ai tes clés. Maintenant, tu m'indiques juste la porte d'entrée et on va devenir meilleur ami, Phil. Meilleur ami. Vraiment, je te ramènerai dans ma villa gonflable et tout. On fera la fête et tout dans la piscine gonflable. Oh. Je te présenterai même ma poupée gonflable. Bon, ça va le délire gonflable, ça va. Oh. On y arrivera. Oh, croyez-moi. Même si toutes les flèches disent que c'est de l'autre côté. Ah bah, c'est parce que c'est de l'autre côté. Oh, il y a un plan, c'est très gentil, il y a un plan que je comprends parfaitement. C'est l'entrée, on est de retour à l'entrée, putain. Oh non, il y a... Oh, ah. Oh, oh, je suis dégoûté, on avait tout ce qu'il fallait, putain, on était stickliardaire, on avait des clés. Il nous manquait juste la sortie. Je n'abandonnerai jamais. Vous pouvez pas continuer à taguer sur les murs là. En plus j'aimais bien son travail, j'aimais bien. Je vais même acheter un tableau, alors pourquoi il continue pas? Sérieux, c'est un super artiste quoi. Il gâche son talent là à faire des n'importe quoi là. Oh voilà, on l'a activé. Non non non, recule, y a le bras. Oh putain, oh j'ai eu peur. Non, ça c'est raté hein. Ça c'est... Non mais je vous le dis parce que d'habitude j'ai beaucoup d'affinité avec les tuyaux. Ok, ok. On a vu un homme s'appuyer les coudes contre le mur. Allez, faut qu'on trouve la sortie là. Oh, d'accord, ok. Et même sur la tour, on n'a pas les clés, putain. Mais ça, de toute façon, ça va se concrétiser par un dîner romantique avec le rageant. Non, mais ça, je vous le dis, je vous le dis. Je suis en train de me dire que ça se trouve, la sortie, c'était le trou, en fait. J'ai négligé la... Mais non, mais en tout cas, c'était certainement pas ce genre de mur. Vous avez vu ça? Il s'est enfui, il s'est enfui devant mon dos. C'est bon, j'ai trouvé sa faiblesse, il aime pas les dos. Ah bah, merci pour... Ah non, d'accord, il a dit, c'est par là. Alors, fais changer d'avis, c'est plutôt par là. Ah bah voilà, bah il avait bien fait changer d'avis d'ailleurs. Ok, c'est la dernière fois qu'on essaye. Qu'est-ce qu'il a avec mon cou? Sérieux, est-ce qu'il est jaloux? Est-ce qu'il est jaloux de mon cou? Hein, parce que t'as un cou moche ouvert en deux, c'est ça? Mais y'a pas de problème, moi je ne te juge pas. Je ne te juge pas, je t'aime comme tu es. Ah, la flèche jaune qui dit... Mais pourquoi elle est jaune celle-ci? Je sais pas, est-ce qu'elle est... C'est un plus gros conseil que les flèches petites blanches? Ah, j'ai entendu un craquement, je crois qu'il a tué... Je crois qu'il a tué quelqu'un qui est dans la même situation que moi, un peu plus loin. Oh! Oh non! Oh non, c'est trop dur! C'est trop dur de supporter ça! On a trouvé la sortie, mais on a pas la clé! Mais y'a le bois! Putain, mais j'en ai marre! Mais. Oh putain! Oh, loup trop fail! Et voilà, genre, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à l'aimer, ça fera vraiment plaisir. Ce jeu d'horreur est hyper dur et il est très angoissant. Essayez-le, je pense que vous allez passer un très mauvais moment. On se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde! Peace! Bah, il n'en joue plus, donc forcément, ça marche plus.